Bonjour Monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour ouvrir la box du petit colis du mois de mai. Elle est toute jolie, je trouve. Avec toutes ces jolies fleurs. Ça fait l'été. Très belle. Je crois qu'on a déjà eu la box comme ça. Du coup, on va s'ouvrir ça tout de suite. On va voir ce qu'il y a. Par contre, moi, je sais ce qu'il y a dans la box parce que j'ai eu un petit souci. J'ai déjà fait la vidéo, mais sans vouloir, j'ai effacé tout ce qu'il y avait sur la carte mémoire. Du coup, voilà, je vais recommencer. J'ai eu un problème. Allez, on va s'ouvrir ça avec vous. Comme d'hab, elle s'ouvre comme ceci. Le petit mot pour dire bonjour. Alors, ce qui est le petit colis, c'est la présence entre vos mains. En présence de votre main. Nous respectons. C'est une bonne lecture. C'est deux petits livres de poche, comme d'habitude. Voilà le petit truc. Regardez ce qu'on voit déjà. On a déjà du masse-pain. Regardez le beau masse-pain qu'on a. Un rose et un blanc. Du coup, le petit papier, même moi, comme je connais, j'ai déjà regardé. Voilà, c'est un grand carré de nougat gourmand. On arrête le chocolat. Il va commencer à fondre dans nos petits doigts. Et nous risquons de tâcher nos livres et tâcher nos pages de notre livre. Cette fois-ci, ce sera du nougat parce que chez nous, chez le petit colis, nous adorons ça et qu'on aime le format de petit carré de ce grand carré de nougat gardé à vous. Voilà, c'est à nous de le manger maintenant. On a un plus petit et un plus grand. Celui-là, je le connais pas. Moi, je suis pas fan de nougat, mais je pense que ça va plaire à quelqu'un de ma famille. Après, comme tout le temps, on a de jolis marque-pages comme ceci. Avec derrière le titre du livre, l'auteur, nos impressions et nos passages. On peut écrire dessus. Voilà. Après, on a un petit livre tout mignon que j'adore. Un code secret. Code secret. Tout petit lapin dessus, même derrière, c'est tout mignon. Et en fait, c'est par alphabétique. Je sais pas si vous allez voir, mais là, le premier, vous mettez le nom du site, identifiant, mot de passe et la nôtre. Voilà, c'est par alphabétique. Voilà. Du coup, ceux qu'on veut, la petite boîte est vide. Quand on veut voir le plus, c'est ça. C'est toujours dans un petit emballage comme ça, tout mignon, écologique. Oh, ouais, moi je les ai déjà vus, c'est pas bien. Du coup, on va commencer avec ce livre-ci. Quignon, qui est tout beau. Il a l'air vraiment pas mal, j'adore. C'est du jeune nouveau adulte. Embrasse si on... Ensemble, si nous... repoussons les limites. Ensemble, nous repoussons les limites. Voilà. Et c'est le premier tome, il y en a trois, je vois. C'est encore une saga qu'il faudra que je suive. C'est vrai que c'est le truc que j'aime moins parce que du coup, dans le petit colis, t'as le premier, mais t'as jamais la suite. C'est ça le plus ennuyant, quoi. Mais il a l'air pas mal du tout. Voilà. Je sais pas si vous allez voir correctement, si le focus peut peut-être bien se faire. Bon, il veut pas. Voilà. Et on va vous montrer le deuxième livre. C'est une marche simple, honnête, devenir la tutrice d'une étudiante en difficulté en charge d'une bourse qui permettra à Léa de participer tout frais payé aux réceptions du programme Sting. Enfin, le nom de... machin qui est compliqué. Bon, c'est encore une histoire avec une jeune fille qui va
Elle est à l'école et qu'elle va encore rencontrer un jeune homme, comme celui que je suis en train de lire. Voilà, parce que pour le moment, je lis l'after qui est presque fini. Enfin, il est presque fini. Ouais, il me reste plus qu'une dizaine de pages. Voilà. Et l'autre, c'est celui que je voulais. Enfin, je l'avais mis dans ma liste de souhaits. Voilà. Et ça se met comment? Ça, c'est pas à mettre dans tous les mains de tout le monde. Ça parle de sextoys. C'est Mémoire d'une vendeuse de sextoys. Marie en poignette. Voilà. C'est urgence. En recherchant une vendeuse. Annoncée à la vitrine d'un sextoy en plein cœur de Pigalle, Marie Pantoinette, étudiante en quête d'un petit boulot, ainsi cette prometteuse opérateur de lieu et ferme publiquement les yeux. Elle récupère et elle se met à ouvrir la porte de la boutique parce que comme les autres habitudes occasionnellement célèbres ou annonce ce soir, amis, inconnus, turo. Voilà, elle va travailler dans une boutique. Je suis impatiente de le découvrir. Il n'est pas trop gros, il est bien. C'est un bon livre. C'est assez bien écrit dedans. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, ça c'est pour adultes. Voilà. L'autre c'est jeune adulte aussi. Enfin, c'est deux adultes. Voilà. Dites-moi lequel que vous préférez en commentaire. Voilà. Et c'est tout. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!